Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour à tous et à toutes. Merci encore de nous suivre sur Ivoire TV Musique, canal 209, du bouquet canal SAT Afrique. Voilà, je ne suis pas seul, comme je vous ai dit, aujourd'hui c'est différent parce que ce n'est pas un artiste, voilà, c'est un monsieur des médias, quelqu'un qui est très 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 fort et quelqu'un pour qui on a beaucoup de respect. Voilà, il s'agit de monsieur Joseph Andjou, le père, voilà ma Oui, vie. oui. Mes Ça respects, va? ça va vieux, Dis-moi. ça va mon vieux, ça va. Content d'être avec toi ici. Merci beaucoup, merci beaucoup. Mets-toi à l'aise, hein. Il n'y a pas de problème. Non, parce que je suis un peu intimidé. Fais ton Je boulot. t'ai un peu intimidé aujourd'hui. Oublie Moi, je pas. suis en face d'un monument. C'est ça, quelqu'un que j'ai admiré Fais depuis. ton boulot, on s'en fout. Fais ton boulot. D'accord, il n'y a pas de problème. Alors, on va commencer l'émission en même temps. Chap-chap, on n'a pas le temps à perdre. Vite, vite. C'est qui Joseph Andjou, pour les personnes qui... C'était un jeune homme né à Yaou, dans un village proche de Benoît. J'ai été marié durant 20 ans, oui, maintenant je ne suis pas marié, je suis avec mon fils qui a 20 ans et l'autre fils, il a 24 ans, il est en France. Je suis gentil, sympathique, on ne me cherche pas, tu me cherches, tu me trouves. Ah bon? Oui, bien sûr, et je suis Moi je quelqu'un, vais te chercher aujourd'hui. Mais tu vas me trouver, je suis quelqu'un de très ouvert, très cool, j'ai travaillé pendant longtemps en France, sur Canal+. D'accord. Avant ça, j'ai fait Chap-Chap, j'ai fait mon école au Diénais aussi, D'accord. après Bobo Dioulasso, après donc la France, et je suis rentré après sur le Burkina Faso pour des vacances, et je me suis installé au Cameroun, et depuis 5 ans, je suis revenu en Côte d'Ivoire chez moi, sur D'accord. la RT. Voilà qui est bien résumé. Mesdames et messieurs, vous connaissez un peu maintenant Monsieur Joseph Enfin, on le Andjou. connaît un peu, hein, mais pas trop, vas-y. D'accord. Mais quelles sont les difficultés? Quelles sont les difficultés qu'un jeune voilà, un jeune Africain noir surtout rencontre dans le milieu de l'audiovisuel en France, par exemple? Alors, cher ami, je vais te décevoir. J'ai jamais eu de problème de racisme en France. Je n'ai jamais eu de problème de racisme en France. J'ai été en France. Je savais ce que je voulais faire en France. J'ai été pour travailler à la télévision. Je voulais entrer à Canal+. C'est ce que j'ai fait. Et j'ai proposé des idées. On m'a écouté, on m'a entendu, on a accepté mes idées. J'ai présenté pendant 15 ans quasiment le journal de l'Afrique sur iTélé. J'ai vraiment jamais eu d'histoire. Là, c'est un scoop que je te donne parce que les gens vont dire que ouais, la France, oui, c'est difficile pour tout le monde, mais en même temps, c'est pas tout le monde qui est dans le même panier. Ça dépend de ton En tout cas, parcours. Tu as eu beaucoup de chance en tout cas. Oui, mais la chance, on la prépare, on la provoque. Tu vois, une chance, ça se prépare. Par exemple, là, je suis dans ton émission. Bon, c'est vrai, tu as dit que tu me connaissais avant, oui. Mais il a fallu qu'on se croise quelque part, à Boaké, pour que tu aies l'idée de m'inviter. Donc, cette chance-là, tu vois, tu l'as préparée. Tu as été à Boaké, j'étais aussi à Boaké, on s'est croisés. Et il y a eu des atomes crochus. Et on s'est dit, OK, je viendrai dans ton émission. Donc, tu n'as rien fait vraiment chap-chap au hasard, quoi, tu vois. Donc, mais comment a été faite ton entrée à Canal Plus? Je n'ai pas couché avec personne, si c'est ce que tu veux entendre. Je ne suis pas pédé, je suis un mec normal comme toi qui aime les femmes. Donc tu veux dire quoi? Que les PDA, ils sont pas normaux, quoi, c'est ça? Non, je veux dire par là que c'est vrai. On dit souvent Certains disent qu'ils sont que. malades. Écoute d'abord. Écoute d'abord ce que je dis. Souvent, on dit que Canal Plus, c'est un endroit, il y a beaucoup de des histoires Bien sûr. de pédé, tout ça. Parce que je pense que ton émission, c'est une émission de vérité, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Donc moi, ça, j'ai jamais eu ça. J'ai jamais eu une proposition dans ce sens-là. J'ai été avec la foi, l'envie de faire de la télévision au plus haut niveau. C'est ce que j'ai fait. Donc, je suis entré vraiment de façon normale. D'autant plus que j'ai fait avant cela, j'ai fait un jeu concours sur Canal+, où j'étais dans toutes les émissions Oui, on dit avec une qu'on veste porte une bleue. veste bleue même avec laquelle on t'a remarqué, tout ça. Alors, absolument. C'est comme ça que j'ai fait mon boulot. Tu D'accord. vois. Donc tu as proposé ton CV et tout ça, et puis Je n'ai pas proposé de CV. Toi aussi. Je dis, j'ai on été. J'ai fait le concours. J'ai gagné ce concours. D'accord. Et j'ai proposé des idées de faire des reportages sur l'Afrique. J'ai été au bluff. J'avais aucune idée, au fait. J'ai été au bluff. Quand je disais que j'ai 325 projets, j'avais que dalle. Rien du tout. Ouais, rien. Donc, j'ai été au bluff et j'ai séduit. J'ai réussi C'est à pourquoi on dit qu'il séduire. faut oser. Il faut Faut oser dans oser. la vie, c'est C'est ce important. que j'ai fait. D'accord. Ok, il n'y a pas de problème. Alors, Attends, donc, tes questions-là, elles sont écrites. Oui. Attends, donc, Non, mais tu ah, veux. Laisse. Il veut m'arracher la feuille.
Il veut gâter le Fafa. Parce que quand je me prépare pour quelqu'un, j'écris. C'est comme ça. Fafa, là, ah, oui, c'est comme ça. Parce que toi, je sais que tu as me mélangé. Donc, il ne gâte pas. Pas. Maintenant, ce monsieur veut gâter l'émission. Il veut gâter. Okay. Ce soir-là, c'est toi l'invité de ta propre émission. Ah bon? Absolument. Ah, le vieux père est venu pour moi. Dis-moi, c'est quoi ces tatouages-là? Bon, pour le respect. Ah, tu peux me déshabiller? Attends, ah, il me déshabille là, mais le monsieur. Fais voir. Oh, tatouage. Putain, mais c'est quoi ça? Ça, ouais, tout ça, c'est le tatouage. Et là, et là. Non, il y en a partout. Il y en a partout. T'as pas honte? Oui. Non, j'ai pas honte du tout, au contraire. Mais tu sais que c'est ta vie, hein? Bien sûr. C'est toute ta vie, tu vas avoir ça sur le corps. Bien sûr, mais c'est ma vie qui est quand gravée. Quand tu auras 100 ans, tu auras la peau ratatinée oui, avec mais bien les, sûr. Ces choses-là. Bien sûr, il faut assumer ses choix. Tu as réfléchi à ça? Bien sûr. Tes parents ont entendu oui? Mais il y a longtemps que je suis indépendant depuis que j'ai 16 ans. C'est quoi tout ça? Le fait Roland? Ah non, c'est pas Roland, c'est Ramzy. Qu'est-ce que c'est que ça? Attends, et là, derrière, qu'est-ce que c'est derrière? Fais voir. Tu vois ce qu'il y a écrit derrière? Attends, non, attends, mais attends, laisse tomber là, fais voir. Mesdames et messieurs, c'est la pub, allez. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, mon vieux, il veut me fatiguer. Il veut fatiguer l'émission aujourd'hui. Non, en fait, voilà, donc, la petite parenthèse, toute ma vie est gravée sur mon corps. C'est-à-dire, si tu regardes tous mes tatouages ont un sens. Par exemple, dans le dos, j'ai un crucifix. J'ai Jésus dessiné dans mon dos, sur la croix. Et c'est écrit en haut, merci Jésus, merci Seigneur. Tu crois en Dieu? Oui, je crois. Ben, moi, non. Ah bon? Donc, tes tatouages, là, vraiment, je m'en fous, quoi, en fait. Ça ne m'impressionne pas. Ah bon? Non, mais ça ne va pas t'impressionner. Parce que c'est un genre de go. Toi, tu es un homme, ça ne va pas t'impressionner. Hein, tiens, non, ça ne va pas t'impressionner. Je ne crois pas en Dieu. Je te l'ai dit une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Tu ne crois pas en Dieu? Vos histoires de Dieu, là, moi, je ne suis pas dedans. D'accord, mais pourquoi est-ce que Comment tu ne crois pas en Dieu? Non, moi, attends, moi, je sais qu'il y a une force quelque part. Si cette force-là, c'est ça qui est Dieu, ok. Mais vos histoires de religion, machin, aller à l'église, perdre du temps, discuter, faire des coups bas, derrière, après, moi, je ne suis pas dedans. Donc, ta croix-là, ça reste sur ton dos, c'est ton problème. Je ne viens pas dans ton émission pour que tu me dises que tu as une croix. Mais tu m'as posé des questions sur les tatouages. Tu réponds. Bien sûr, pour ton respect, je te réponds. Je te réponds pour ton respect. Vas-y. Non, avec moi, ne parle pas, histoire de Dieu. D'accord. Focus sur la vérité. Mais c'est quoi ton problème avec le concept? J'ai pas de problème, hein. C'est quoi ton problème? Mais j'ai pas de problème. Je te dis. Est-ce parce que souvent, vous les noirs, bon, je suis noir aussi, hein. Mais tu es noir, vous les noirs, oui, bien sûr. Je suis noir. Oui, je suis noir. D'accord. Avec vous les noirs. Une preuve que je suis noir. Oui. Mais voilà la preuve. C'est quoi la preuve? Mais voici. Vas-y, les noirs, quand ils n'ont rien, ils prient Dieu. Mais quand ils ont l'argent, ils. Ah, moi, j'ai pas d'argent. Donc, tu as l'argent. Moi, j'ai pas d'argent. Tu as l'argent. Je travaille sur la télévision que tu connais. J'ai mon salaire. Point barre. J'ai même pas d'affaires, j'ai pas de business. Non, je suis normal. Je suis un mec normal. Je suis en tout cas bien payé, certes. Mais voilà. Tu as bien payé ta l'argent. Donc, tu veux que je te dise mon salaire? Non, j'ai pas besoin de savoir. Ah ben, je peux, hein? Non, j'ai pas besoin de savoir. Et toi, tu es payé comme ici? Dis à moi, non, t'as pas besoin de savoir mon salaire. Tu es entre combien? T'as pas besoin de savoir. 100 000, 200 000, 1 million? Non, t'as pas besoin de savoir. Moins ou plus? T'as pas besoin de savoir. Alors, mais pourquoi, quand tu as fini, parce que tu as dit que tu étais allé au Burkina, tout ça, quand tu as fini tes études, tu as fini tout ce qu'il y avait à faire, pourquoi tu n'as pas cherché plutôt à venir ici en Côte d'Ivoire pour travailler, bon, on peut dire la RTI, parce qu'à l'époque, c'était que la RTI. Pourquoi tu n'as pas cherché à venir travailler directement en Côte d'Ivoire pour apporter ton savoir dans un pays? Non, tu es là maintenant, mais je dis au début. Pourquoi tu n'as pas venu directement ici? Mon début, c'est ça. Mon début, c'est maintenant. Là. Alors, quand j'étais en Côte d'Ivoire, je voulais aller en France, comme tous les jeunes du pays, et même d'Afrique. Et même d'ailleurs, parce que les gens veulent tous aller en France. On ne sait pas pourquoi. Bon, les Français ont mis un truc dans la tête des Africains, même des autres nationalités, que la France est le paradis. Donc je me suis battu avec la famille. J'ai pris un avion privé, je me souviens, en 86. J'étais en France le 19 septembre 86. Je suis arrivé, j'ai fait mes études. J'avais ancré dans la tête l'envie de revenir en Côte d'Ivoire. Juste après les études et puis les expériences acquises. D'accord. C'est ce que j'ai fait. Donc, après mes études, j'ai fait des stages en Hollande, sur une radio hollandaise qui émet dans le monde entier. J'ai fait des stages sur Radio Tabala à l'époque en France.
J'ai fait RFI avec Odicia, avec Mévégué, avec presque tout le monde, hein, de l'époque. Et ma vision était focus sur le retour au pays. Donc, dès que j'ai acquis assez d'expérience, l'envie était de revenir. Je suis revenu en Côte d'Ivoire en 2010 et les bombes ont commencé. Et je me suis replié avec mon collègue. Tu as fui en fait. Tu as fui les bombes. J'ai pas fui. Tu as fui parce que nous on est restés. Hein. Tu as resté ici. Ouais, nous qui nous sentons époirés, hein, nous on est restés. Bon. Alors, donc je vais t'apprendre mon fiston. J'étais à Trècheville lorsque la guerre a démarré. C'est vrai, ce n'était pas le mois de mars et avril, c'était super chaud, mais ça démarrait devant moi. Ma chambrette à Trècheville a même pris une balle. Ma soeur aînée a failli avoir la tête explosée parce qu'il y a une balle qui est passée juste devant ses yeux, à Trècheville, à 11h15, d'accord. Et j'ai grandi dans ce pays-là, j'ai jamais vu ça. J'ai vécu cette guerre, en fait. Hein? C'est vrai que lorsque je partais, parce qu'à un moment il fallait que je me réplie, bon, pas fuir. Si je fuyais, je partais, je ne revenais plus en Côte d'Ivoire. Tu es revenu, c'est un peu bon maintenant, pourquoi tu es revenu? Ok, si tu veux. Si tu veux, comme toi, tu aimes les histoires là. Si tu veux. Ok, je fuis même, j'ai couru quoi. Voilà. Et alors voilà. Là, l'Ivoirien qui fuit son pays quand c'est chaud. Oui, il faut rester dans votre pays. Je fuis. Mais je n'étais pas en exil, la preuve, je suis là. J'ai fui même si tu veux. Ça m'arrange, non? Oui, ça m'arrange. Bah, voilà. Okay. Parce qu'en 2010, tu es parti au Cameroun avec un ami à toi. Genre ici. Voilà. Et tu as même dit à une interview que, franchement, dit, ça a été une très belle expérience pour toi parce que tu as appris beaucoup de choses. Là-bas, ils sont beaucoup plus avancés. En matière de chaîne et de télé et tout ça. Mais pourquoi tu n'as pas réussi à toi aussi t'imposer là-bas? Moi, je voulais venir en Côte d'Ivoire. Je ne suis pas Camerounais, mon pote. Je suis Ivoirien, je suis abouré, né au village. Je voulais revenir en Côte d'Ivoire et les expériences que j'ai acquises en France. Alors, tu sais qu'au Cameroun, par exemple, ils ont plus d'une cinquantaine de chaînes privées, que ce soit à Yaoundé ou à Douala. Dans chaque quartier, il y a quasiment une chaîne privée. Les opérateurs, les câblos opérateurs ont des chaînes, d'accord? Et je t'assure que c'est là que j'ai appris qu'avec Internet, on pouvait émettre une chaîne de télévision, un peu comme ici, Ivoire FM et Ivoire TV. Et à partir vraiment de rien, Internet, ça, j'ai appris ça. Et notre télévision qui s'appelle Akwaba Télévision, que j'ai monté avec mes amis camerounais, ben, on émettait avec rien, hein, tu vois. D'accord. Donc tout ça, là, j'ai appris là-bas. Et je voulais revenir en Côte d'Ivoire, le moment opportun. Il y a eu Amadou Bakayoko, qui était l'ancien DG de la RTI, que je connaissais. On s'est croisés dans d'autres circonstances en France, à Canal+. Et... une relation avec un diplôme. Voilà, ça c'est pas faux. Donc, mais c'est pas suffisant. Hein. Relation, oui, mais si t'as pas de diplôme, c'est encore dangereux. Ouais. C'est vrai que faut savoir la compétence. Ton cousin ou ton copain peut te faire bosser, mais si derrière t'as pas d'expérience, ça sert à rien en fait. Ouais, donc je suis revenu en Côte d'Ivoire. Donc tu vois que, comme je te disais, je suis focus sur le pays. D'accord. Je voulais apporter mes expériences dans mon pays. D'accord, mais qu'est devenu Akwaba Télévision émet toujours dans une cité là à Yaoundé. Je suis parti, donc j'ai laissé ça genre ici et puis les autres copains. Avec dans les mains de Régis Towa, s'il se regarde. On le salue au passage. Voilà, c'était une autre aventure intéressante. D'accord. Mais il paraît que comme toi, tu en parlais tout à l'heure, qu'on dit Canal Plus, c'est ceci, c'est cela, et tout. Voilà. Il y a certaines personnes disent que mais Joseph Andjou, lui, il est comment? Et puis lui, il a réussi à percer ce mystère. Il a fait? Parce qu'il paraît que là-bas, il faut rentrer dans les petites sectes, dans les corpuscules de gens un peu bizarres, tout ça, pour qu'on t'accepte dans certaines hautes sphères de tout ce qu'il y a comme boulot. Donc, il paraît que tu appartiens à une secte. Ben, oui. Quand tu me regardes, toi, Mais tu crois pas en Dieu. Je te réponds. Tu crois pas en Dieu, donc c'est possible. Quand tu me regardes, est-ce que tu penses que je suis un mec normal? Quand tu me regardes, tu penses que je suis normal? Je ne suis pas normal. Je suis un peu fou dans la tête. J'ai des boulons qui ne marchent pas bien. Tout n'est pas bien lissé. Tu vois, j'ai peur de rien.
La seule chose dont on a peur, c'est la mort. Ok. Je suis un battant. Je suis un guerrier. Moi, en France, j'ai toujours été un militant. Mais ce n'est pas avec des armes ni lancer des cailloux. Je suis un militant passionné, dans le boulot. J'ai défoncé la porte, moi, en France, quand même plus. Je te disais que j'ai fait un jeu. Et ce jeu, c'était de paraître dans toutes les émissions avec une même veste. J'avais une veste bleue et puis une cravate jaune et noire à fleurs. Tout ça, c'était pour me faire remarquer. Ouais. Parce que Canal+ avait dit, si vous aimez la télévision, envoyez-nous vos passages en télévision et le meilleur sera récompensé. Moi, je sortais d'école de télévision et radio. Et la seule manière... À l'époque, je vivais avec ma femme. Elle me disait, mais chérie, tu es fou, hein. Il dit, mais laisse-moi faire. J'ai même été jusqu'à l'église pour paraître dans le jour du Seigneur. Et je me faisais enregistrer les émissions. J'étais à l'église, je priais comme tout le monde. Hein? Alléluia, alléluia, Seigneur. Alors qu'il croit pas en Dieu. Ça va, c'est quelque chose. Mais tu sais que j'ai été confirmé, j'ai eu ma confirmation, j'ai été baptisé, j'ai fait le catéchisme. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Mais rien, tout a marché. J'ai été enfant du cœur. J'ai fait tout ça au village. Tout le monde sait. Je suis d'une très très grande famille religieuse. Ma mère, mon père, mes soeurs, tout le monde, on est des pieux chrétiens en fait. Non. Eux, pas toi. Toi, tu n'es pas un pieux chrétien. Moi, je suis un rebelle dans la foi en fait. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous sommes de retour. On est toujours à Farfa avec monsieur Joseph Andiou. Alors, monsieur Joseph Andiou, selon moi, je pense que. Et puis selon beaucoup de personnes aussi, avec toute l'expérience que tu as acquise, avec la notoriété que tu as, c'est pas seulement ici, hein. Voilà, c'est aussi sous d'autres cieux et tout. Pourquoi ne pas avoir créé ta propre chaîne ici en Côte d'Ivoire, que tu avais travaillé pour les gens encore? J'ai eu l'idée en 2010 de faire ma propre télévision ici. Et j'avais rencontré à l'époque le président Gbagbo, qui m'admire parce que je travaillais pour iTélé. D'ailleurs, même le président Gbagbo à l'époque m'appelait monsieur iTélé. C'est pour te dire que j'avais tout à ma portée pour faire ma télé. Et on était venus avec ce projet en 2010. Et je me souviens que le président Gbagbo disait en off que oui, on va te donner un coup de main. Le 11 avril, le 11 avril 2011. Laissons juste les élections, puis après on verra. Donc voilà, fameuse date, 11 avril 2011. Ouais, que tout le monde connaît. Voilà, donc c'est une date qui m'a marqué sur deux plans, sur ce plan de mon propre métier, mon projet, ça a capoté, et puis aussi l'arrestation du président Gbagbo. Donc, tu vois que j'avais ce projet en tête. Je venais faire mon projet. Voilà. C'est pour ça quand tu as quitté au Cameroun, que tu es revenu au pays, pourquoi ne pas avoir relancé ce projet-là? Aller voir les autorités présentes actuellement pour pouvoir faire ta chaîne. Parce que je l'ai vendu pour travailler pour quelqu'un. Percevoir les salaires de la part de quelqu'un. Mais tu penses que je vais te dire ici que j'ai le projet ou pas? Encore? Ou bien je ne l'ai pas encore? Franchement, je suis à Caen. Chez nous, les à Caen, on ne dit pas les choses. Est-ce que tu as vu le président footballier? Est-ce qu'il avait dit qui va le remplacer quand il va mourir? Il a dit on verra bien, tout le monde sait. Donc je suis à Caen. Hein, les projets, c'est, il faut être. Moi je suis un peu superstitieux quand même, je ne dis pas de choses. Mais je suis qu'un jour ou l'autre on va. Et puis ça me fait plaisir de travailler pour mon pays. C'est ce dont j'ai rêvé, de travailler pour apporter mes expériences aux plus jeunes. C'est ce que je fais à travers la radio et à travers la télévision. D'accord. Il y a plusieurs sortes de journalistes, par exemple. Là, on vient à ton métier. Il y a plusieurs sortes de journalistes. Il y a les journalistes d'investigation, il y a les journalistes sportifs, d'investigation aussi. En tout cas, tu t'es défini comme quel journaliste? Alors, ça tombe bien. Je vais t'expliquer à peu près déjà la base de mon métier. J'ai été au studio École de France. On a démarré dans le 13e, juste en face de Panthéon-Sorbonne, en 88 par là. Et dans cette école, on a appris à faire les montages radio, les montages télévision, à apprendre à connaître le métier dans toute sa splendeur, le métier du journalisme. Donc ça m'a formé
à être capable aussi bien d'être devant la caméra ou derrière la caméra. Derrière la caméra, c'est la production. Donc, je suis un journaliste tout terrain, en fait. À l'époque, quand je travaillais pour ITélé, j'ai donné l'impression que l'équipe était étoffée, que nous étions plusieurs. Que non, j'étais tout seul, en fait. Ah bon? Je filmais, je sais filmer, je sais faire les montages. Mais quand il s'agit de gros montages, là, dans ce cas, il y a un monteur officiel de la rédaction de Canal+, parce que ITélé, c'était la rédaction de Canal+, qui venait pour commencer à faire les gros montages. En radio, je m'y connais parce que j'ai travaillé, comme je disais tantôt, à la radio sur RFI. Et le micro, je m'y connais. L'écriture journalistique, je m'y connais parce qu'il y a écrire pour des brèves, pour l'info, et puis écrire pour écrire. Il ne faut pas avancer le mot au fur et à mesure. Chaque mot, chaque point est une information. Il ne faut pas écrire des choses par hasard. Tout ça, c'est ce que j'ai appris. Aujourd'hui, ce que je fais ici en Côte d'Ivoire, c'est toute cette science-là que je donne aux plus jeunes. Quand tu vas voir, j'espère que tu parleras des chroniqueuses de ce midi. Bien sûr, on va en parler tout à l'heure. Il n'y a pas de problème. Mais quand tu vois ce travail-là, c'est un travail vraiment de professionnel, en fait, que ces jeunes-là ont pu acquérir, en fait, par mes soins, en fait. Donc, je suis tout terrain, je sais tout faire. Le JT, j'ai présenté le JT Afrique, sur ITélé pendant longtemps. Et reportage, je sais le faire. Radio, je sais le faire. Donc, je suis un journaliste de terrain aussi, parce que j'ai aussi appris à aller faire des interviews, à faire des enquêtes sur le terrain en France. Et j'ai toujours eu ma carte de presse, la carte professionnelle de presse en France, qui est renouvelable chaque année. Ça veut dire que chaque année, il faut repasser encore, pas le concours, mais ramener les mêmes dossiers pour montrer que tu gagnes 100% ta vie, tu gagnes ça avec le journalisme. Avec ce métier-là. D'accord. Voilà qui est bien expliqué. Alors, tout à l'heure, on parlait. Mais tu te sens pas en forme. Oui, c'est moi. Ça t'embête que je réponde bien à tes questions, quoi. Non, en fait, je suis content. Je suis content. Je suis content. Quand je m'en arrête tes trucs là. Tu as dit dans une interview. Tu as dit dans une interview. Tu as dit quelque chose qui m'a vraiment touché. Ouais, qui m'a marqué dans une interview. Tu as dit que en télé, il faut partir au moment où c'est bon. Ah ben oui, bien sûr. C'est-à-dire, il faut partir quand ça marche là. C'est là que tu dois quitter, en fait. Bien sûr. Alors, je t'explique. Quand tu marches, quand tu fais une belle émission, quand tu es apprécié, ta cote est comme ça. Bien sûr. Elle est au plus haut niveau. Le jour où tu quittes, au moment où ta cote est au niveau supérieur, les gens qui te regardent, les gens qui te suivent l'ont en tête, ta place dans la tête, dans le cœur, tu es bon. Si tu pars au moment où ta cote est très basse, au moment où tu es dans la mouvance négative, on dirait, oh bon, de façon il vaut rien, c'est pour ça qu'on l'a chassé, tu vois. Tu es celui même qui pilote l'émission C'est Midi. Voilà, c'est une émission vraiment qui en tout cas ça a apporté un nouveau souffle. Les Ivoiriens ne connaissaient pas ce genre de d'émission. Voilà, de show TV là, et franchement dit ça a apporté quelque chose. Mais toi qui es au-dessus de cette émission, qui coordonne tout, l'aventure a débuté comment? Écoute, pour être honnête, et c'est ce que j'ai toujours dit, parce qu'il faut savoir reconnaître les valeurs, reconnaître ce qui appartient à César. D'accord. Quand je venais, il y a eu déjà une première équipe qui a été montée. Et l'émission a déjà le nom C'est Midi. Le nom C'est Midi, elle n'est pas de moi. Je veux dire, l'appellation C'est Midi, elle n'est pas du tout de moi. Il y a eu déjà Caroline Da Silva, il y avait Jean-Michel Honner, il y avait Philo, il y avait Messindri, il y avait Nadiani, il y avait Méliane Cuny. Voilà, c'était la première équipe. Et l'émission a été montée par Feu Sanga Touré, notre ancien directeur de RTI1, avec la complicité de Cissé Essa et notre actuel directeur de la production.
Et puis le DG, l'ex-DG Amadou Bakayoko, avec l'appui de quelques consultants français, ils ont mis ensemble l'émission. Au départ, devait s'appeler Kedjenou. Voilà. Et ils ont trouvé que Kedjenou, bon, c'était bien, mais ça ne fait pas international. Donc ils ont trouvé l'idée, c'est bien. Quand je suis arrivé, le DG. Donc l'émission avait déjà démarré avant que tu. L'émission n'a pas encore démarré. Mais ils avaient il y a eu des pilotes. D'accord. Quand tu étais enregistré, il y a eu deux pilotes. Deux pilotes, voilà. D'accord. Avec la maman de Kedjevara, Antoine Arlani, qui était l'une des invitées de l'émission. Et moi, quand je suis arrivé, la RTI a voulu quelqu'un de fou, quelqu'un de pas normal, mais professionnel, pour diriger l'équipe, en fait. Donc, quand je suis arrivé, j'ai revalidé tous les chroniqueurs. Caroline Da Silva était là. Et j'ai apporté d'autres chroniqueurs. Voilà. Donc, jusque-là, tous les chroniqueurs sont de moi, les chroniqueurs actuels. Ceux que j'ai cités là. Oui. Donc, c'est comme ça que l'aventure de samedi a démarré. D'accord. Et j'ai donc apporté mon expérience. Et j'ai tout fait que l'émission me ressemble. Voilà. Beaucoup de d'audace, beaucoup de sérieux, beaucoup de rigueur, beaucoup de respect envers le téléspectateur. Et le rêve, parce que la télévision, avant tout, Fafa ici, on apporte du rêve aux gens. Donc avant tout, apporter ce rêve-là à la population pour que l'émission se fasse dans de bonnes conditions. D'accord. Alors, tu parlais de rigueur tout à l'heure. Voilà. Nous, on a remarqué que voilà, il y a souvent des dérapages. Vu que c'est en direct. Mais c'est normal. Voilà, il y a souvent des dérapages. Oui, voilà. Comment tu gères ces dérapages-là? Quand ça arrive après, bon, comment alors, est-ce que tu gères? Déjà, j'interdis à mes chroniqueurs de répondre sur Facebook. Il ne faut pas répondre. Quand il y a des dérapages, oui, en interne, on fait nos débriefings. Oui, je tape très dur. Hein. Je ne badine pas. La rigueur, elle est demandée un peu au chroniqueur. Non, ça, je suis au courant. C'est ça qui fait le travail. Oui, mais c'est Joseph Andu, il rit dehors, mais quand le travail commence, il rit. Ça, c'est mon autre côté lugubre. Enfin, bref. Donc, tout le monde s'est mis à travailler. Tu vois, s'est mis à travailler et il fallait donc être professionnel, tout simplement. D'accord. Parce qu'il y a une chroniqueuse qui avait dit une parole qui n'avait pas plu aux Ivoiriens à l'endroit de Cheikh Cissé Sala, notre champion olympique. Mm-hmm. Elle avait dit mais qu'avant il Lin était... Lin Javert, je crois. Avant, il était sale et tout ça. Bon, les Ivoiriens, ils ont pris ça comme ils avaient à prendre. Mais... Il n'a pas dit ça comme ça. Hein. Ah, mais ce que l'on a vu, c'est pas vraiment. Nous, on va voir. Va voir ce qu'il a dit, c'est pas vrai. Il paraît que le monsieur, même son visage a changé. C'est faux, ça. C'est pas vrai, c'est faux. Et en plus, Lin Javert n'est pas venu. Et puis, tu l'as chassé. Lin Javert. Tu l'as chassé, après ça, tu l'as chassé. Lin Javert n'est pas venu pour insulter l'invité. Bien sûr, mais. Pas du tout. Bon. Ce sont les dérapages. Voilà, on dirait que sa langue a glissé. C'est les bourdes qui arrivent. Les vendredis, on vient pour dire bravo à un invité de marque. Vous voyez? Donc, dans l'euphorie, ça arrive. On n'a pas chassé Lin Javert. D'ailleurs, même bientôt, vous la verrez sur RTI. Elle a d'autres projets, en fait. Chaque année, on change l'équipe, on apporte du neuf. Avec l'accord de Amadou Bakayoko, à l'époque, on a voulu la déplacer dans d'autres choses, mais ce n'est pas qu'on l'a chassé. Si on chasse une personne, on ne la verra plus jamais sur antenne. Dans tous les cas, bientôt. Elle a été chassée de ce midi, mais pas de la RTI. On n'a pas chassé de ce midi, on l'a déplacé. C'est différent. D'accord. Ah, vous avez déplacé. Mais pourquoi tu dis que tu changes chaque année? Pourquoi il y en a qui sont encore là depuis? Mais tu n'as pas vu, il y a d'autres chroniqueurs qui sont là. Oui, mais... Mais il faut toujours avoir une Alissa, base. Alissa, par exemple, elle est toujours là. Mais ça te gêne? Non, c'est une question que je pose. Tu veux que je la change? Non, je demande. Alissa, par exemple, elle est toujours là. Est-ce que ça te fait un problème là? Non, ça te cause un problème? Non, parce que, bon, on vous dit que vous êtes un peu trop proche. Donc, c'est pourquoi moi, proche de qui? Alissa? Je ne sais même pas où elle habite, hein, Aïcha, Alissa. Elle a bourré 7, mais... Attends, c'est parce que la bourrée, elle est encore là, en fait. Oui, je suis sectaire, voilà. Parce que, oui, comme tu veux jouer le jeu, oui, je suis... Moi, c'est le... Je fonctionne en ses fonds. Comme elle a bourré, maintenant, tous les abourrés... Elle chasse tout le monde. Tous les abourrés. Et Alissa. Attends. Malgré qu'elle ait dit peintre, P-A-I-N. C'est pas... En plus, peintre existe, hein. La manière dont c'est écrit, ça existe. Mais c'est pas dans ce contexte. C'est l'ancien français, ça existe. C'est pas dans ce contexte. Je dis, peintre... Attends, une question.
Non, mais c'est moi qui pose la question. Dit, poser la question. Est-ce qu'on dit un après-midi ou bien une après-midi? Selon moi, on dit une après-midi. Ah, tu vois, on dit les deux. Est-ce qu'on dit un igname ou une igname? On dit une igname. On dit les deux. Alors, tu vois ça un peu? Enfin, bref, si c'est ça. Arrête qu'on met des boules, mais elle est toujours là. Mais parce qu'il ne veut pas la chasser. Mais chasser pourquoi? Il faut la chasser. On veut que tu la chasses. Alissa, je veux qu'on te chasse. C'est samedi. C'est le dernier mot, il dit ce que je veux. Ça te fait mal, hein. Question qu'on a. Là, ça te fait mal au cœur. Elle est là. Les autres... Il dit qu'il est sectaire. Oui. C'est une balise. Karoun Basilva est là parce qu'elle est abourée. Philo est là parce qu'il est abourré. Jean-Michel Onet est là aussi parce qu'il est abourré. Mais toi, tu arrêtes, il sera abourré. Et moi, je suis abourré. Le deuxième, il est abourré. Donc, c'est quoi ton problème? Ton problème, ici même, Zoumana Bakayoko, il est abourré. Est-ce que tu savais ça? Non, je ne savais pas. Ah, bon, d'accord. Vas-y. Un peu de sarcasme, ça, c'est pas mauvais. Non. Hein? Tout le monde, même tes techniciens, ils sont abourrés. Tes techniciens, ils ne font pas. Non, non, toi, tu n'es pas abourré. Chez nous, les abourrés, on n'a pas les cheveux comme ça. On n'a pas les cheveux là. Ah, mesdames et messieurs, je suis très heureux. Monsieur, mais là, il est bien. Tu es d'où même, toi? Moi, je suis Dida de Lakota. Dida de Lakota? Ouais. Je suis Dida. Voilà, tous ceux qui me suivent savent que je suis Dida. Et chez vous là-bas, tes parents savent que tu t'es tatoué comme ça? Non, mais chez nous, c'est depuis la base. Depuis la. C'est que nos ancêtres là, ils avaient des scarifications. Ça là, mais c'est petit. Ils avaient des scarifications. Tu aimes bien quand tu fasses mal? Je suis un peu maso en fait. Parce que ça là, c'est... attends, là-bas là, c'est. Ouais, non, là-bas c'est tatoué. Là-bas c'est grave. Non. Fais voir, fais voir. Le monsieur, il est fatigué. Alors, monsieur Joseph Andjou, parlons de ce midi. Oui. Voilà, ce midi a été moqué. Sur. Non, pas moqué. Moqué. Je sais où tu vas venir. Oui, on dit que c'est l'émission la plus nulle. Que c'est non. Nul. On dit que c'est nul. Alors, ils ont dit que c'est nul. Ils sont moqués de ça. Non, pas du tout. Vous êtes à côté de la plaque. Alors, je viens de te dire au départ de ton émission que j'ai fait mes armes à Canal Plus. Bien sûr. D'accord. Donc, mes potes de France. Quand je me suis barré, tout le monde se demandait, mais il est passé où ce garçon? Il est passé où? Cyril Hanouna, dont on parle. Bien sûr. Aujourd'hui, on parle. Aujourd'hui, on parle sur une chaîne qui est aussi suivie de partout. Ce que on dit là. Tôt ou tard, d'autres personnes peuvent aller vérifier. Hein. Voilà. Donc, tout ce monde de Canal+, c'est des gens qui m'aiment beaucoup. Mais ils cherchaient à savoir où j'étais en fait. Quand ils ont appris, je sais que mes amis lisent et regardent sur Facebook. Sur YouTube, tout ce que je fais en fait. Donc c'était un clin d'œil en fait. Un clin d'œil à ce midi, c'est pas qu'on se moque, pas du tout. Si on se moquait, tu allais m'entendre. C'est un clin d'œil. C'est gentil, c'est pas méchant. Bon. Non, on n'a pas dit que le monsieur est nul, pas du tout. C'était qu'il y a des choses qu'eux, ils ne comprenaient pas en fait. Mais c'est normal parce que ce midi, c'est un mélange des expériences télévisuelles, au fait, voilà, qui fait un cocktail explosif, au fait. Et c'est pas qu'on se moque, pas du tout, on est un peu différent. Donc il y a des choses qu'ils n'arrivent pas à comprendre, au fait. D'accord. Mais comme ils savent que c'est moi qui suis derrière, ils ont compris. D'accord. Voilà qui est bien expliqué. Mais il y a eu l'émission avec la dame qui a dit qu'elle était sorcière et tout ça. Elle est même sortie. Bon, moi, ce jour-là, j'ai pas eu le temps de regarder l'émission. Mais par exemple, sur YouTube. Voir. Bon, on a même RTI mobile RTI là, une application. Tu vas. Bon, en fait, moi comme c'est Ivoire TV, je me fatigue pas trop quoi. Voilà, je prends juste tout ce qui s'est dit dans la ville. Comme ici à Papato, comme on dit. Voilà. Donc comment tu as géré ça, le fait qu'elle se soit levée, elle est sortie c'est de la émission, tour et tout ça. C'est une émission que j'ai adorée. Voilà. Alors déjà à la base pour ta gouverne et aussi pour la gamine de tous ceux qui nous regardent, ce midi, tout nous intéresse. Tous les sujets m'intéressent. Sauf un sujet, jusque-là, je n'ai pas traité, qui me fait encore mal parce que les Ivoiriens ne sont pas encore prêts. C'est l'homosexualité. Sachant bien même qu'en Côte d'Ivoire, ça existe. Il y a des lesbiennes, il y a des homosexuels, il y a des PDD, ce que tu veux. Tu vois, là, je suis à ton rythme, dans ton émission. Oui, bien sûr. Voilà. Au fait, c'est pour te dire que. C'est un sujet de société. Mais l'Ivoirien n'est pas encore prêt à entendre un homosexuel qui viendra s'asseoir sur sa chaîne nationale pour dire je suis homosexuel. Et alors, on n'est pas encore prêt à ça. Pour expliquer comment il fait son truc. Moi, tout m'intéresse en fait.
Et cette dame, elle est venue d'elle-même pour parler, parce que ce sont les vécus des gens. Dans les vécus, il n'y a vraiment pas de tabou. Elle est venue, elle a expliqué, on a écouté plusieurs fois. Hein. Comme on fait d'ailleurs tous les jours, on écoute d'abord une première fois, après une première fois, après une deuxième fois avec Caroline, et la troisième fois c'est en direct devant tout le monde entier. Donc bon, la dame a expliqué, mais au fond, elle a voulu nous dribbler. Voilà. Je pense qu'elle était venue avec son idée de maman Pauline en tête, mais à un moment, nous on a dit oui, tu peux parler d'elle, mais bon, mais on n'est pas là. C'est une expérience qui nous intéresse. En fait. Voilà, on n'est pas fait la promotion de quelque chose. C'est une expérience qui nous intéresse. Mm-hmm. Et la pauvre dame vient, à un moment, elle dit, maman, pour lui, c'est Jésus. Bon, déjà, moi, Jésus, laisse tomber, l'histoire de Dieu, mais il faut être, c'est un vécu. À un moment, Caro dit, mais madame, bon, ok, ça n'engage que toi, mais maman, pour lui, là, c'est pas Dieu, quoi. On ne peut pas se permettre. Alors, on a vendu une chaîne publique, ce genre de propos, même si qu'on soit une chaîne laïque, tu vois. Et la dame n'a pas compris qu'il ne fallait pas trop insister. La pub, Caroline a dit, mais oui, vous pourrez en parler, mais pas autant. C'est votre histoire qui nous intéresse. Et quand Caroline a lancé Paulus, quelqu'un m'a fait rire en disant qu'elle a dû entendre Paulus. Donc elle s'est barrée. Elle croyait que la police. Vous avez la chérie. C'est vrai, c'est vrai. Donc elle s'est barrée. Donc voici l'histoire de cette dame. Sinon, on n'est pas fermé, hein. Elle est venue, elle a expliqué, mais elle a voulu un peu trop en faire par rapport à cette histoire de maman Pauline. Ce n'est pas l'histoire de maman Pauline qui nous intéressait. Elles sont vécues. C'est vrai qu'elle dit qu'elle est sorcière. En plus, attendez, nous sommes dans un talk show où tout est possible. Il faut dire ce que tu vis. Parlons de ces midis encore. Les gens ont commencé à raconter que les histoires qui sont inventées. Alors, parce que souvent il y a des histoires qui sont invraisemblables, qui sont difficiles à croire. Alors, je vais te donner un exemple bien précis. Moi, je suis journaliste professionnel. Voilà, avec une carte de presse. Parce que tu peux être journaliste sans carte de presse. Donc, quand j'ai toute ma vie professionnelle en France, j'ai toujours eu, pendant ces années, j'ai toujours eu ma carte de presse, c'est important. Et on a comme devoir de dire la vérité. Mon émission e-Afrique, à l'époque sur ITV, je finissais chaque émission par un proverbe africain. Et ces proverbes parfois, c'est dingue. Et on a l'impression que j'invente ce proverbe, alors que non. J'ai passé 2 mois à rechercher des proverbes et des dictons dans toute l'Afrique. J'avais le téléphone ouvert sur l'Afrique. J'ai appelé pendant 2 mois toutes les capitales, tous les potes qui m'ont dit des dictons et des proverbes que j'ai notés. Voilà. Même dans les chansons, souvent les chansons Zouglou, il y a tellement de proverbes. Lorsque Espoir 2000 dit que le chêne ne change jamais sa manière de s'asseoir. Je ne l'ai pas inventé, je l'ai pris. Mais si tu en prends des chemins, je m'en fous, tu vas te retrouver là, d'ici et ça. Tout ça là, ce n'est pas des choses que moi j'ai inventé. Donc, ce midi, c'est quasiment la même idée. C'est le sérieux, avant tout. L'envie de dire des choses qui existent, de ne pas mentir. Moi-même, professionnellement, je ne peux pas accepter de bidonner un reportage, encore moins une. Mais souvent, quelqu'un peut venir vous raconter son histoire. Et puis on vérifie toujours. Parce qu'il y a un qui a parlé de bouteilles de gaz, il respirait avec, on l'a retrouvé dans un maquis sans la bouteille de gaz. Ça, tu vois, tu n'aimes pas aller sur les réseaux sociaux, mais ça, je te dis ça aujourd'hui et je t'enverrai la preuve sur WhatsApp. Mais le gars est venu avec sa bouteille de gaz à ce midi, il a mis les gens en larmes, les gens ont pleuré, les gens ont eu de l'empathie pour lui. Et puis après, allez, on l'a vu quelque part dans un maquis, dans la rue des Princes, en train de boire, sans la bouteille en plus. T'as un problème, hein? Non, mais tu dis n'importe quoi. Hein. Mais c'est la vérité. Quelle vérité? Oui, bien sûr. Les gens ont ramené des photos sur Facebook. Mais c'est la vérité. J'aurais dû te montrer ça. Mais tout ça là, je suis au courant. Mais c'est de la connerie ce que vous dites là. Ce garçon là était vraiment malade. Donc après ce midi, il a guéri. Qui t'a dit qu'il a guéri? Non, je demande. Tu veux qu'on l'appelle maintenant? Mais quelqu'un qui respire. Tu veux qu'on l'appelle maintenant? Appelle-le. Là maintenant, à l'instant, appelle-le. C'est pas grave, c'est comme ça. Mais c'est pas une mission en direct? On va appeler après, tu vas couper. Donc, c'est même pas la peine. Non, tous ceux qui viennent à ces midis, toutes les histoires sont vérifiées.
on les appelle derrière. Parfois, il y a des histoires un peu dures. Moi-même, je dis, bon, ok, on est chaîne publique. Bon, on laisse passer. Il y a des histoires encore plus fortes. Et je te dis, depuis 5 ans, tous les jours, du lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, de 15h à 17h, on écoute la terre entière. Il y a ces histoires incroyables. Quand je sens que ce n'est pas très fiable, monsieur, merci, on nous rappelle. On n'appelle pas. Parfois, j'appelle quand même pour dire, bon, mon ami, vraiment, ton histoire, là, je ne crois pas que ce soit vrai. La première histoire qui m'a marqué quand on a démarré ce midi, la première année, donc en 2014, il y a une dame qui vient, et elle est béninoise, elle dit qu'elle est morte dans son pays. Il y a eu, à Cotonou, il y a eu des obsèques, et qu'après 15 jours, elle s'est réveillée, et, voilà, les gens ont fait déjà les funérailles et tout ça. Il dit, bon, d'accord. Et il dit, mais vous êtes morte comment? Il dit, elle était vraiment morte. Il dit, mais quand on meurt, au bout de 15 jours, au moins, le corps a décomposé. Et elle dit, non, elle, ça n'a pas été ça. Dit, bon, d'accord. C'est une super chérie, c'est qu'elle disait que oui, elle a les images de ses obsèques, mais que ces images-là sont sur un CD, qu'elle vend des CD. Il dit, mais. Donc, vous venez me vendre un CD devant trois mois, c'est ça, devant votre histoire. Il dit, ouais, ça coûte 2500. Qu'il faut que moi, RTI, je paye les 2500 francs. Pour que, puis, il dit, bah, d'accord, ok. Vous et votre CD, CD là, vous pouvez. À nous faire voir. Merci beaucoup. Tu vois. Mm-hmm. Donc, il y a plein d'histoires comme ça. Mais en général, les gens ont compris que quand ils viennent à ce midi, leur histoire, on va le vérifier. Mm-hmm. Et nous avons toujours le club. Ce midi, qui est animé par Jessica Bamba, on a cette tactique, cette trouvaille qui fasse que quand tu n'es pas d'accord avec l'émission, tu viens, tu réagis. Même chaque fois, lors des émissions, on dit aux gens, c'est ouvert, vous avez le droit de réponse. Donc d'accord. Celui qui pense que c'est faux, il vient démontrer ce contraire. D'accord. D'accord. En tout cas, moi j'ai une autre question pour toi. Pour l'expérience que tu as, pour le grand homme de médias que tu es, un conseil que j'aimerais que tu donnes à toutes les personnes qui veulent faire de très bonnes émissions. C'est quoi la recette pour faire une très bonne émission qui puisse marcher, que les gens puissent aimer? Alors, la recette, il faut déjà savoir sur quelle chaîne tu veux évoluer. Est-ce que c'est une chaîne publique ou une chaîne privée? Sur une chaîne publique, on a ce droit d'éduquer, de informer, de divertir, d'accord? Et tout ça, on reste un peu dans la politique du pays, du gouvernement, est-ce que tu vois? Les chaînes privées sont là pour un peu faire un peu l'histoire d'opposition, en fait. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire sur une chaîne publique. Sur une chaîne privée, on peut y aller, ici, Fafa, tu vois, on y va. Mm-hmm. Je peux dire ce que tu veux, mais sur une chaîne comme la RTI, on ne peut pas. Moi-même, je suis obligé d'être dans ta peau, d'être à ton niveau de ton émission pour parler comme ça avec toi. Dans d'autres thèmes, sur d'autres émissions publiques, mon langage va être différent. Différent, tu vois. Oui. Donc, déjà, connaître ces canaux-là et proposer des émissions qui plaisent. C'est-à-dire que toi, d'abord, ton projet doit d'abord te plaire, que tu te sentes à l'aise. Il ne faut pas te sentir mal à l'aise quand tu es dans une chaîne de télévision, dans une émission. Et il faut toujours écouter l'autre. Il faut être humble, avoir des idées. Et puis ne pas avoir peur de se tromper. Parce que c'est en se trompant une fois, deux fois, trois fois qu'on devient fort. Ouais. Donc, focus sur aussi la passion. Si tu n'as pas, de passion, tu ne peux pas aller loin. Tout en étant passionné, il faut savoir que du jour au lendemain, on peut te remplacer. Que ta émission marche bien, oui, certes. Mais tu n'es pas irremplaçable. C'est tous ces paramètres-là qu'il faut avoir en tête. En tête, pouvoir bien travailler. Et puis, j'ai toujours dit que pour réussir par rapport aux jeunes, pour réussir, il y a trois façons. Il y a trois étapes. Déjà, il faut se battre pour trouver l'idée. Ce n'est pas évident. Si tu veux faire telle mission, il faut déjà se battre pour trouver l'idée qui plaise. Une fois que tu as l'idée qui plaît, que tu es dans le moule, il faut être bon pour rester. Parce que ta passion, ce dont tu as pensé, c'est ce que tu veux faire. Il faut rester dans le groove pour que ton émission plaise. Et le plus difficile encore, c'est de ne pas tomber.
Parce que tout ce parcours-là, où tu t'es vraiment battu pour avoir l'idée, la bonne idée de ta mission, de ton projet, où maintenant tu es en train de vivre ce projet, ta passion, tu vas pas, troisième point, tu vas pas être, tu vas pas, tu ne vas pas manquer de passion, de dynamisme, de professionnalisme pour que ta mission, ton projet, ton âme baisse, soit has-been. Il faut encore se battre pour rester. C'est ça. Fafa, j'imagine que tu ne t'es pas réveillé matin, tu as dit, ah Fafa, tu as pensé. Bien sûr. Tu as pensé à ton émission. Et aujourd'hui, ton émission, ça marche. On est content d'être ici. Tu te bats pour que ça marche. Et tu te bats aussi pour ne pas que. Pour que ça tombe aussi. Qu'on te vire. Et que l'émission tombe. Si demain, Fafa, on zappe. Donc, c'est un combat permanent. C'est ce que moi je peux dire aux jeunes. Il faut avoir ces trois étapes dans la tête. Même quand tu es réalisateur. Tu vas commencer par bien réaliser une première émission. Après, tu vis ta passion. Après, il faut continuer que ton émission marche. Il faut que tu fasses bien ta caméra, tu fasses bien. Non, il faut rester là parce que du jour au lendemain, si tu fais mal, ben, ton émission tombe et toi-même, réalisateur, on te dit merci au revoir. Tu vois. Vrai. Donc, moi, c'est comme ça que je fonctionne. On doit être toujours celui qui vit. Semidi, le secret de Semidi, j'ai toujours dit à mes chroniqueurs que. Vous faites une très belle émission. On fait une belle émission. Lorsque l'émission finit, on s'en fout, on oublie. Les histoires de c'était une belle émission, on s'en fout. Parce que c'est le meilleur est toujours devant. Comme le pied, le difficile. Tu vois. Si tu restes calé sur l'émission, c'est une belle émission. Ouais, bon, tu es dans les nuages. Bon, demain, il faut préparer. Il faut préparer notre émission, bien sûr, bien sûr. Donc, l'émission marche bien. Boum, une fois que c'est 3, 2, 1, fini. On passe à autre chose. Si tu ne penses pas à autre chose, tu n'as pas la même impression. En plus, c'est un métier, cher ami, super ingrat, la télévision. Très ingrat. Tu peux être bon sur 40 ans, mais le 41e jour, si tu loupes, on dirait, le gars, il ne vaut rien. Quitte là. On te chasse. Les gens oublient vite. En plus, quand tu es à l'antenne, tu es adoré. Mais quand tu n'es plus à l'antenne, on s'en fout de toi. PPD. Patrick Poirier, TF1, grand monsieur, j'étais le plus, bon, je dis, il n'est plus à la tête, mais la chaîne fonctionne, on l'oublie même, même si on l'a même oublié un peu, tu vois. Voilà, donc c'est comme ça, c'est ce genre de conseil, franchement, du fond du cœur, que je puisse donner aux jeunes. Et jeunes, j'espère que vous avez bien compris. Hein. Bon, une dernière question. Parce que là, ça fait partie du mot de fin, tu as bouclé en même temps. Et le monsieur, il connaît le travail. Alors, c'est quoi les hobbies de monsieur Joseph Andjou? Quand il n'est pas au boulot, c'est quoi ses hobbies? Et puis tu vas aller m'attendre là-bas. Quoi. Moi, je vais te dire là où je vais. Non, je ne dis pas. Mais en gros, j'aime la bonne musique, j'aime les bonnes choses. Voilà. Je suis comme toi, j'aime les bonnes choses. Tu aimes aussi les bonnes choses? Oui, j'aime les bonnes choses. Tu aimes les femmes, c'est ça? Quoi ça? Tu aimes les femmes? On aime tous les femmes. Ah, moi, je Tu n'aimes pas les femmes? Pas comme toi. Je suis normal. Donc, moi, je ne suis pas normal. Non. Avec tes tatouages, toi, tu es bizarre, toi. Tes tatouages, là. Tu vas voir une fille, tu vas enlever ton avis. La fille va dire waouh. C'est ça qui t'a fait mal, pour ça, tu parles de ça depuis. Ouais, tu sais que si. Ça te fait mal. D'accord. Donc, mais quel est le genre de musique que tu écoutes? Généralement. J'aime beaucoup le zouglou. Et pour moi, il y a deux sortes de musique. La bonne et la mauvaise. Voilà. Mais j'aime la bonne musique. Non. Vraiment, le zouglou, même le coupé décalé. Moi, je suis ouvert. Hein. Je visionnais ton clip là, avec Kelly. Là, Eskeli. Eskeli, là, où vous chantiez là, avec tes tatouages bizarres. Tu as aimé le son? Le son est bon? Oui, le son est bon. Il veut se tatouer. Non, je veux actuellement. Tu as déjà réussi dans la vie. Donc, voilà. Tu peux te tatouer. Voilà. Moi, je n'ai pas encore réussi, mais j'ai pris le risque. Toi, tu peux te tatouer maintenant. J'ai un piercing. Ah. Tu vois où ça? C'est où ça? Mesdames et messieurs, c'est mon père, c'est notre papa, nous, il nous conseille tout le temps.
C'est M. Joseph Andjou, quelqu'un qui a apporté quelque chose de très 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 super dans ce pays et qui continue d'apporter. La première fois que je l'ai rencontré, il a causé avec moi comme s'il me connaissait il y a très longtemps. Donc Fafa, c'est une émission où on invite tout le monde. En tout cas, merci beaucoup papa d'avoir pris de ton temps parce que tu es très occupé. Tu as pris de ton temps pour venir faire l'émission. En tout cas, merci de nous honorer de ta présence. Et en tout cas, mesdames et messieurs, continuez de suivre l'émission Fafa, continuez de suivre Ivoire TV Musique, canal 209 du Bouquet, canal SAP Afrique. Sur ce. Il dit n'importe quoi, vraiment. Dis simplement que c'était une belle émission. À bientôt. Au revoir, c'est tout. Au revoir.